This is gonna be a match to remember. Ok les amis, du bruit pour la grande finale de ce CES2. Merci. Bon, même si c'est Bernard Tapie, hein, tout à l'heure vous gueulerez un peu plus sur les légendes, mais... Ok, voilà. Et le Honda, c'est classique, qui se fait choper. Oh, le gros point. Et le Doskoï. Le Doskoï. Voilà, cette fois-ci. Skies qui se montre un peu plus prudent. Super. Voilà, le gros point. Et la barre de Sakura qui s'envole. Attention à ne pas mettre de Doskoï trop loin. Et à se faire punir. Enfin, Agroove qui n'attend que ça. Voilà, bien vu là, cette petite fin de Doskoï. Allez. Ok. Oui. Skies qui a l'air d'être beaucoup plus inspiré. Peut-être par les matchs mythiques qu'il vient de voir. Oui. Bien gardé. Ok. Dommage. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que cette punition de père en fils? Malheureux. Fallait faire un médium et après un Doskoï. Bon. Pute à mort l'ami Bernard Tapie. Tu t'en fous complètement. Tu t'en bats. Ah. Mais quel escroc, mais c'est pas possible. Allez, il faut se débarrasser de cette Sakura. Ça a l'air de rien cette barre. Mais là, il fait une roulade. Un Agroove et il a raté le Agroove. Il l'a raté, il le sait. Voilà, et attention messieurs dames. Ouais, il rate encore. Heureusement pour Bernardo. Et là. Oh. Ok. Allez Skies. Crie. Un spectateur. Ok. Et cette fois-ci, c'est Ultima qui va imposer son rythme et qui n'a pas besoin d'aller chercher forcément Skies. Si Ultima, je pense, se sent insulté de devoir affronter un tel escroc et du coup essaye de l'attaquer. Mais quelque part, c'est comme ça que ça marche, voilà. Escroc Crit Scapin. Et c'est marrant, parce que j'ai l'impression que quelque part le public aime Bernard Tapie. Dites pas si je me trompe. Allez. Alors. Oui, il a raté le rôle. À nouveau. Skies, voilà. Oui, monsieur. Punition de la balayette. Oula. La barre de garde de Skies. Voilà, qui va remonter tranquillement. Du coup, Ultima qui temporise. Oh! C'est chaud, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment Ultima peut avoir autant de mal? Mais que se passe-t-il? Bernard Tapie, un grand monsieur des mind games. Quand il y a de l'argent, il y a Bernard Tapie! Et non, il rate à nouveau. Et il s'en veut. Mais la récupération, quand même, offerte par le Crédit Lyonnais. Et quand même, Skies qui s'en sort et qui sauve l'honneur. Il arrive au troisième perso. Grand monsieur ce Skies. Ok, Blanca. Voilà. Mais Skies qui a de bonnes décisions de temps en temps, mais qui manque de connaissances de jeu. Voilà, là il va se faire punir sur sa balayette. Et c'est... Il a raté. Il aurait pu punir cette roulade par une roulade. Ok. C'est tendu. Ah, au revoir, président. Ok, merci Skies. Et alors, public, pour peut-être. Pour cet affrontement légendaire, je vous demande, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour ces deux grandes stars du Versus Fighting. Allez,
Griffe contre griffe, voilà, ça s'observe. Bass, je pense, qui a encore plus téléchargé Justin Wong désormais. Voilà, voilà, cette fois-ci, il se laisse encore moins faire par le zoning. Et cette fois-ci, c'est Bass qui zone, c'est incroyable. La palette de coups, d'inventivité qu'a ce joueur. Et à placer également, c'est Agrou. Il n'y a aucun autre joueur qui sait faire ça dans le monde. C'est incroyable, il a poussé ce groove à son meilleur. Voilà, Justin qui se fait prendre à son propre jeu. Voilà, il y a eu une tentative d'airshop, heureusement, d'échoppé. Voilà, Bass Royal, là, il est en train de... Il roule. Allez. Voilà, la chop, c'est incroyable. Et le passage dans le dos, balaye de gros pied. C'est fou. Voilà, Kenneth qui donne l'in de la tête, qui dit c'est n'importe quoi. Comment peut-on lutter contre ça, hein? Bass qui, je le rappelle, roule sur quasiment tous les joueurs japonais aussi de CVS2. Hein. Donc c'est pas... C'est même là-bas, il jongle comme ça avec. Hein. Donc pas étonnant, hein. Pas étonnant quand même Justin Wong qui est en plus un peu à la retraite à ce jeu. Et du mal, mais j'ai espoir qu'on va avoir du spectacle et que ça ne sera pas que un sens. Ah, dommage, là il a raté son confirme pour une petite furie de chenille qui aurait fait mal. Parce que la griffe n'a pas beaucoup de vie. Mais alors, oui. Hey. Et le cancel. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Le choix. Ah, dommage. Ah, le reset, c'était super bien vu. Et il a raté la furie derrière. C'est pas grave. Mais cette fois-ci, petit avantage dans ce versus à Justin Wong. Garçon calme. Oh là 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 là. Oh, ça déconne pas. Ouais. Justin peut être content. Yes, he can be happy. He can be happy. Ok. On se relâche pas. Chun-Li qui va récupérer un peu de vie. Et c'est reparti. Ok. C'est confirme, c'est incroyable. Il y a un tel niveau. Voilà. Attention. Et là, quand Bass saute comme ça, c'est dangereux. Quand il saute comme ça, c'est dangereux. Et Justin le sait. Il met la garde. Voilà. Et les deux adversaires, ça va être un jeu d'échec qui va ouvrir la garde de l'autre, qui va faire mal. Pour le moment, beaucoup de prudence de la part des deux adversaires. Justin Wong qui se débrouille. C'est très très lent. Parce que là, à la moindre erreur, c'est la moitié de barre minimum qui vole. Ouais. Oui. Non. Non. Ok. La garde, le reset, qu'est-ce qui va se passer? Il l'a eu. Hey. Ok. C'était bien vu de la part de Bass, ce décalage, cette roulade. Fantastique. Allez, Justin. Et cette fois-ci, c'est Bass qui va reculer et qui va essayer de recharger sa barre en donnant des coups dans le vide. Ah ! Voilà, la punition. Oh là. Ça va. Aïe. On veut pas de mind game. Ça doit être le cycle qui déconne. J'espère que ça va pas le refaire. Oui ! Allez, et le temps ! Non, oui, Justin Wong qui va gagner autant. Et le time. Et voilà, je vous l'avais dit, la petite erreur. Et Bass, il s'en veut. Et on a enfin vu son Blanca, les amis. Et ça, c'est génial. Allez. Ouais, il peut se permettre ça. Mais Bass, on la lui fait pas, cette phase. Tous les joueurs la font à partir du moment... Oh là là, il n'a pas laissé la Chun-Li s'échapper. Et ça va être ratio 2. Et les deux barres pleines. Allez, Justin Wong. On aimerait un reset de bracket. On aimerait plus de spectacle. J'ai envie de me casser là, moi. Ok, oui, Bass qui maintient le pressing. Parce qu'il sait l'ouverture de garde. Aïe, la barre de garde, Justin, attention là-bas. Oui, fantastique. C'est génial, il a rien raté. Ok, Bass qui va devoir se refaire. Bass, voilà, attention à Justin, de pas être impatient. Oh, le groupe, hey, c'est fini, messieurs. Hey. Aïe. Ah, dommage. Vraiment, super match de la part de Justin. Et il a fallu d'un relâchement, d'un petit rôle électricité dans le coin. Et hop, ta barre de vie s'envole comme peau de chagrin. Et là, Ultima, et ouais, qui a la
le pression sur les épaules, qui va devoir sauver cette balle. Ok, qui va utiliser son Honda. Alors, this is gonna be a match to remember. Ok, et alors, puisque je fais aussi commentateur sportif en live, j'annonce à tous les spectateurs ici présents que Guingamp vient de marquer le premier but. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, on a un rêve, bordel. Bon, allez, pendant que je vous parle, et ben, Ultima se débrouille pour le moment pas trop mal. Uchonage qui est passé, bien vu. Voilà, la part, super. Dommage. Allez, Ultima qui a peut-être un choix gagnant d'avoir pris ce Honda. Uchonage avec le décalage. Ah, dommage, la Chops P qui est pas sortie. Et là, le Blanca, 2. Voilà, super bien vu. Oui, les 1000 mains en roll cancel. Et ils savent là qu'il y a déclenchement de A. Allez, Ultima qui doit garder son calme malgré son avance, s'il te plaît. Ultima. Oh non, 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 non. C'est n'importe quoi. Ça va trop vite. Il y a eu mind game de mind game de mind game. C'est n'importe quoi. Ce mec, tu peux pas la lui faire. Inhumain. Allez. Vas-y, Ultima, faut pas se relâcher. Voilà, il suffit d'un combo là pour se débarrasser de ce Blanca qui va essayer de gratter jusqu'au bout et de recharger sa barre. Voilà, bien ce petit line comme ça. Voilà, super Ultima. Allez, désespoir des États-Unis, des Américains qu'on salue. Ok. La griffe qui maintient le pressing. Et voilà déjà, là quasiment la barre qui va craquer. Heureusement, le agroove n'est pas plein. Mais le agroove, la barre de basse va se remplir très bientôt. Voilà. Cette fois-ci, Ultima à l'attaque. Non, même pas. Et là c'est dangereux. S'il te plaît Ultima. Fais quelque chose. Il entre. Oui. Oh là là, ce dash dans la balayette. Bien vu, elle a essayé de provoquer la groove. C'est pas sorti parce que Bass est très très prudent malgré son avance. Malgré toutes ses victoires. Et c'est peut-être pour ça que c'est un grand champion. Se relâche jamais. Jamais. Aïe 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 aïe. La barre de garde. Ça va faire mal. La barre de garde, voilà. Oui. Non. Allez, c'est pas grave. Maintenons le pressing. Et il a réussi à déchoper, c'est n'importe quoi. Allez. Bien déchopé la part de basse. Oh là là. Ne te mets pas dans le coin malheureux. Et la barre de vie. Et la vie. Et le temps. Ah ouais, basse. Basse va jouer la sécurité. Pas même pas. L'attaque. Hop là. Ah ouais, Ultima qui a essayé de recharger sa barre de vie. Mais qui fait un très beau match, hein, Ultima. On a beau dire, hein. Vraiment, je pense, quelque part, il fait le match de sa vie, Ultima. Là, si seulement il pouvait atteindre le dictateur. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est chaud. C'est tendu. On va peut-être pas le voir, le dictateur. Là, au moindre. C'est fini. C'est fini, les amis, je vous l'annonce. En bon Nostradazouz que je suis, je vous annonce que voilà, que c'est... Hey, c'est pas fini. Allez, on lâche pas le stick. Et la garde, c'est terminé. Bravo. Grand champion. Marvelous. Basse.